Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au live Facebook de MPA Coaching, le weekly live Facebook. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc je suis Agnès, la directrice de l'agence. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à Londres pour effectuer des stages en entreprise, pour trouver des logements avec des familles d'accueil en général, en priorité, mais également aussi faire du tourisme, découvrir la ville de Londres, s'installer, étudier, prendre des cours de langue. Donc, nous sommes vraiment l'agence de référence. Je suis actuellement à Charing Cross, où vous pouvez voir la gare de Charing Cross derrière moi, là. OK, donc je vais vous faire une petite visite guidée de la ville. Donc, que ça soit Charing Cross, mais nous allons descendre aussi vers Trafalgar Square, passer devant le National Gallery, donc le musée. Aye. Donc, suivez-moi. Donc, c'est un live. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, c'est la gare de Charing Cross qui est derrière moi, là. Donc, l'une des grandes gares aussi de Londres avec King's Cross, Victoria et Victoria, King's Cross et Houston. Ce sont des gares aussi qui permettent d'aller en dehors de Londres, en province. Donc, vous pouvez le voir, je suis sur le Strand. Vous voyez les bus de Iconic Red Buses de Londres. Donc, suivez-moi. Je vais mettre dans. Et on va faire un peu de... On va marcher un peu. Je vais essayer de faire doucement. J'ai une de nos viewers, auditeurs, qui m'a dit que je bougeais beaucoup. Donc, je vais essayer de ne pas trop bouger. On est en train de commander un bâton là qui permet de ne pas trop bouger. Donc, ça vous permettra de voir les tout, mais sans qu'on bouge. Good morning, sir. Comme vous voyez, hein, Londres est festif là. Nous avons mis les décorations de Noël déjà. Que toutes les rues, les grandes rues, partout, c'est décoré. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de touristes aussi, des personnes qui travaillent dans les environs, les bus, comme vous pouvez le voir. Je vais faire aussi une prise derrière moi, vous pouvez le voir. Qui a beaucoup d'hôtels, des hôtels de grand standing, mais également aussi des shops, des magasins qui ont été créés depuis des années en fait. Il y a même des personnes, enfin des shops qui avec des toute l'artisanat de l'Angleterre. Et derrière moi, c'est aussi Covent Garden. Il y a une rue qui monte qui est Covent Garden. Donc là, quand vous sortez de la gare de Charing Cross, en allant vers votre gauche, bon, si vous sortez de devant, voilà, vous pouvez voir, vous pouvez donc accéder à Trafalgar Square. Et voici la place de Trafalgar Square. Donc on va faire un peu d'histoire aujourd'hui. Bonjour Yves, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien à Toulouse. Donc là, vous pouvez voir, donc on était sur le Strand. Et là, maintenant, nous sommes à Trafalgar Square. Ok, je traverse la rue. Toujours faire attention, comme vous pouvez le voir, en bas, par terre, il y a écrit « Look left » parce que c'est de là que les voitures vont venir. Ok, super, super. Il y a eu un petit problème de connexion. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à Trafalgar Square avec les fontaines, la fontaine de Trafalgar.